Bonjour, on va résoudre. Bon, on va traiter l'exercice sur les nombres complexes. Déterminons les racines sixièmes de l'unité et écrivons-les sur la forme trigonométrique. Écrivons-les sur la forme trigonométrique, puis résoudre dans cette équation suivante, z plus i sur z moins i au cube moins z moins i sur z plus i le tout au cube est égal à 0. Bon, on a 1 est égal à 1 exponentiel i multiplié par 0. Donc, les racines énième de 1 sont de la forme zk est égal à la racine énième de 1 c1 exponentielle i 0 plus du kp sur n. Bon, i le kp sur n avec k appartient à l'ensemble jusqu'à n moins 1. Voilà les solutions. Bon, qui est égal, enfin, à cosinus du kp sur n plus i sinus du kp sur n avec n avec k appartenant à cet intervalle. Bon, n bien sûr différent de 0, les racines linéaires, n est différent de 0. Bon, d'où z est égal à cosinus de kp sur n plus i sinus de kp sur n avec n appartenant à n étoile et k appartient bon, maintenant on va résoudre cette équation. On a z plus i sur z moins i au cube moins z moins i sur z plus i au cube est égal à 0 est équivalent à z plus i sur z moins i. Le cube est égal à z moins i sur z plus i. Le cube est égal à 0. Pardon. Bien sûr, avec cette écriture, bon, cette écriture, avec z différent de i, z différent de moins i. Bon, cette écriture-là, elle n'a aucun sens si z est égal. Bon. Pardon. Et si on va déterminer l'ensemble des définitions de l'équation, bon, pour z, n'appartenant pas à l'ensemble i moins i, bon, c'est-à-dire z appartenant à c moins i du moins i, on a l'équation au cube moins z moins i sur z plus i de la zéro est équivalente à z plus i sur z moins i
cube est égal à z moins i sur z plus i au cube. Bon, est équivalent. Bon, si le quantité il est différent de 0, car z appartenant à c moins i moins i, donc est équivalent à z plus i sur z moins i puissance 3, le tout sur z moins i sur z plus i puissance 3 est équivalent à 1. Est équivalent donc à z plus i sur z moins i sur z moins i sur z plus i, le tout au cube est égal à 1. Est équivalent à z plus i multiplié par z plus i sur z moins i multiplié par z moins i puissance 3 est égal à 1. Est équivalent à z plus i au carré sur z moins i au carré plus de puissance 3 est égal à 1. Est équivalent donc à z plus i sur z moins i au carré plus de puissance 3 est égal à 1, est équivalent à z plus i sur z moins i puissance de multiplié par 3 est égal à 1, est équivalent donc à z plus i sur z moins i puissance 6 est égal à 1. Donc, d'où z plus i sur z moins i, i est une racine sixième de 1. Alors, z plus i sur z moins i, il est de la forme exponentielle i de kp sur n. Bon, est équivalent à zk plus i est égal à exponentielle i de kp sur n facteur de zk moins i. Donc, à zk moins exponentielle i de kp sur n, zk est égal à moins i exponentielle i de kp sur n moins i. Est équivalent donc à zk facteur de 1 moins exponentielle i du kp sur n est égal à moins i exponentielle i du kp sur n plus 1. Bon, c'est équivalent.
Oui, tu dis, bon, cette quantité est différente de 0 et différente de 1. Bon, on va multiplier ici, pardon, on va multiplier ici le nombre de ces égalités par exponentielle. Moins écarté. Donc on aura zk exponentiel moins ikp sur n facteur de 1 moins exponentiel et de kp sur n est égal à moins i exponentiel moins ikp sur n facteur de exponentiel i de kp sur n, pardon, plus 1, est équivalent donc, bon, à zk facteur de exponentiel moins ikp sur n, bon, exponentiel et de kp sur n moins kp sur n est égal à moins i exponentiel, ici bon, exponentiel i de kp sur n moins kp sur n plus exponentiel moins ikp sur n. Bon, est équivalent à zk est égal ici, on aura exponentiel moins ikp sur n moins exponentiel ikp sur n est égal à moins i exponentiel ikp sur n plus exponentiel moins ikp sur n. Est équivalent donc à zk. Bon, avec, on va multiplier le nombre de cette égalité par moins, donc on aura exponentiel ikp sur n moins exponentiel moins ikp sur n, et on va diviser par i, donc on aura exponentiel ikp sur n plus exponentiel moins ikp sur n. On divise par 2, est équivalent à zk, exponentiel ikp moins exponentiel moins kp sur 2i est égal à exponentiel ikp sur n plus exponentiel moins ikp sur n sur 2. Bon, d'après les formules de l'air, cette quantité n'est rien d'autre que sinus. Sinus de kp sur n est égal à cosinus de kp sur n est équivalent. Bon. Bon, pour k est égal à 0, faut
pour que les tuyaux nationaux, bon, pour que les tuyaux nationaux, on a zitka plus i sur zitka z0, pardon, z0 moins i est égal exponentielle du k multiplié par 0. De l'équation
sitcom est égal moins sitcom est égal à côte tangente du cas P sur N avec K appartenant à l'intervalle intervalle 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 solutions. Dans 6π sur 6, 4, 5π sur 6, bon, si, donc, l'ensemble des solutions de l'équation. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.